أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bienvenue inshallah à cette conférence qu'on a appelée comment vivre dans un monde dominé par riba. Juste pour introduire la conférence, en fait l'idée en fait la semaine dernière il y avait déjà une première conférence sur la zakat avec l'imam Abdallah et aujourd'hui on a l'honneur de recevoir Cheikh Mohamed Binta pour partager avec nous justement sur riba. Donc ces conférences, elles s'inscrivaient initialement dans un module de formation qu'on proposait à l'UFCM qui s'intitulait Argent, entrepreneuriat et investissement entre aliénation et indépendance. Donc je ne vais pas m'étendre un peu plus longtemps sur le sujet, je vais passer la parole à Cheikh Mohamed Binta. Juste sur l'organisation de la conférence, il y aura deux temps, Inch'Allah. Il y a la première partie où le Cheikh va présenter un peu tout son... Il va aborder la question du riba selon les versets, la révélation, le fait et l'aspect spiritualité. Et on essayera vraiment dans un deuxième temps, donc on fera une pause et il y a une buvette, parce que comme c'est libre, on y cherche quand même un peu des sources de financement, donc on fait une buvette pour essayer d'avoir quelques sous. Et dans le deuxième temps, on essayera de parler plus concrètement le riba et qu'est-ce que ça implique aujourd'hui, les questions que tout le monde se pose, la finance islamique versus le crédit conventionnel. Voilà, c'est... On essaiera d'avoir un échange entre vous, le Cheikh, et les membres de l'UFCM qui sont présents ici. En tout cas, barakallahu fikoum pour votre présence. Et puis là, je me tais, je laisse la parole au Cheikh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. As-salatu wa salam ala ashrafi al-anbiya wal-mursaleen. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين شيخ الأرسال السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Donc avant de rentrer dans le livre des sujets à riba, j'aimerais bien rappeler quelques principes fondamentaux à l'islam. En fait, il faut savoir que la vie dans une société ou dans la société à l'islam est basée sur l'entente, l'entraide et la solidarité. L'islam vise à promouvoir au sein de la société l'entente, l'entraide et la solidarité. Donc, ainsi, on voit beaucoup de versets coraniques, beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui incitent dans ce sens l'entraide, la solidarité entre les différents composants de la société. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans Surat al-Ma'ida, وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Allah dit, entre-aidez-vous au bien et à la piété. Ne vous entre-aidez pas au péché et l'agression. Ne vous entre-aidez pas au péché et à l'agression. Donc, aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, dans un hadith rapporté dans le bazar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Al-khalqu iyalullah. أحبهم إلى الله تعالى أنفعهم لعيالي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la création, c'est-à-dire les créatures, la création est à la charge de Dieu. C'est-à-dire les créatures sont à la charge de Dieu. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui pourvoit les besoins de chacune de ses créatures, qui subvient aux besoins de ses créatures. Les créatures sont à la charge de Dieu. Celle d'entre elles qui est la plus aimée de Dieu et celle qui est plus utile à ceux qui sont à la charge de Dieu. Les créatures sont à la charge de Dieu. Celle d'entre elles qui est la plus aimée de Dieu et celle qui est plus utile à ceux qui sont à la charge de Dieu. Donc, c'est-à-dire plus on va se rendre utile vis-à-vis des humains, vis-à-vis des animaux, vis-à-vis de la nature, plus on va se rendre utile, plus on est aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça, ce sont des principes fondamentaux en islam, que la vie doit être basée sur l'entraide et la solidarité. Les compagnons, ils ont interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, est-ce que
de bonnes actions, de bonnes attitudes qu'on peut avoir à l'égard des animaux, est-ce qu'on est récompensé de cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira Ofi kulli kabidin ratbin sadaqa. Si on agit vis-à-vis de n'importe quel être qui a le foie gras, c'est-à-dire qui est vivant, n'importe quel être vivant, se considérer comme une oie. Donc, ainsi, réellement, quand on prend le temps de parcourir le verset coranique, de parcourir les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on rencontrera beaucoup de hadiths, beaucoup de versets qui vont dans ce sens, le fait qu'un être humain, un musulman, il doit être sensible à ce qui sont autour de lui, il doit se rendre utile. Donc ainsi, la religion qui recommande l'entraide, la solidarité et l'entente, donc combatte d'une manière évidente toute forme de l'exploitation des besoins de ses semblables, toute forme des abus de pouvoir à l'égard de ceux qui sont autour de nous. Donc l'interdiction de riba vient s'inscrit dans ce sens-là. Donc il y a un autre principe que j'aimerais bien rappeler avant de rentrer dans le sujet de riba, c'est que la philosophie de l'islam vis-à-vis de bien qui est à notre disposition et que ces biens ne nous appartiennent pas. Le bien dont nous disposons, ces biens ne nous appartiennent pas. Ce bien appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah l'a confié à l'homme la gérance pour voir quelle attitude, quel comportement il aura. Et les versets dans ce sens sont nombreux. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat al-Hadid « وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا » Donc Allah dit « Dépensez de ces dons, il vous a donné la gérance. » Il vous a nommé comme gérant, dépensé de ce qui vous a donné la gérance. Et dans un autre verset de Surat An-Nur, Allah subhanahu wa ta'ala dit, au sujet des pauvres et des besoignés, « وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ » Donnez-leur de bien d'Allah qui vous a donné. Il ne dit pas « Donnez-leur de vos biens », mais il dit « Donnez-leur de bien d'Allah qui vous a donné. » Donc, le bien appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'homme est gérant de ses biens. Donc ça veut dire, les musulmans, celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, qui cherche à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, qui se dit c'est bien, qui est à ma disposition, ne m'appartient pas, appartient à Allah, donc je dois chercher, je dois tout faire pour utiliser ces biens de manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne dois en aucun cas utiliser ces biens d'une manière qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc troisième chose, est que l'islam, étant donné, veut renforcer cet esprit de l'entente, de l'entraide dans la société, l'islam a interdit toute forme d'abus de confiance, d'abus de pouvoir dans les échanges, dans les relations des transactions. Il y a une règle qui est très connue dans le fiqh, dans la jurisprudence musulmane, les droits musulmans, notamment en matière des échanges et des échanges et des transactions, il y a trois défauts. Toutefois que l'un de ces trois défauts se trouvera dans une relation des échanges et des transactions, cet échange et cette transaction est caduque islamiquement. Est caduque islamiquement. C'est-à-dire, en islam, des relations des échanges, que ce soit des ventes, des prêts, des locations, s'il y a l'un de ces trois défauts qui se trouve dans l'échange, c'est caduque islamiquement, ce n'est pas valable, cet échange. Premier, c'est ce qu'on appelle al-jahala. Al-jahala, l'ignorance. Donc, l'ignorance, ça veut dire quoi? L'ignorance, ça veut dire, par exemple, s'il s'agit d'une relation des échanges, par exemple, la personne qui vend ne sait pas ce qu'il vend et la personne qui achète ne sait pas ce qu'il achète. Je ne sais pas. Donc, quand il y a l'ignorance, ce n'est pas permis. Donc, ça veut dire dans les relations des échanges, il faut que je sache qu'est-ce que j'achète et aussi à quel prix. Puis, c'est pourquoi l'islam interdit quand il y a une ignorance. Si la marchandise
n'est pas clair, n'est pas identifié clairement, où les prix n'est pas identifié, pas fixé, puisque ça peut aboutir à des querelles, à des malentendus dont l'islam il interdit. Donc c'est pour cette raison, par exemple, il y a ce qu'on appelle les viagers. Hein, les viagers, c'est interdit dans l'islam. Pourquoi? Puisque la personne qui sait, ce n'est pas combien il va payer. Mais ce n'est pas combien il va payer. Par exemple, vous allez acheter un bien immobilier, un viager, ils vont vous dire, vous allez payer 50 000 euros comme l'avance. Après, vous allez payer, je ne sais pas, 1 000 euros par mois jusqu'au décès des propriétaires. Mais 1 000 euros par mois jusqu'au décès. Vous ne savez pas, est-ce que la personne va décéder d'ici un an, d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, 50 ans, on ne sait pas. Donc, vous ne savez pas combien vous allez payer. Donc, c'est interdit islamiquement. Ou bien, quelqu'un qui va vous dire, je venais, vous allez acheter quelque chose, mais vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez acheter, combien vous allez acheter. Par exemple, comment dirais-je, le contrat des assurances ou des mutuelles. Vous ne savez pas combien vous allez payer avant d'être dédommagé. Et aussi, au moment où vous allez être dédommagé, vous ne savez pas combien vous allez être dédommagé. Donc, vous voyez, il y a une ignorance. Donc, quand les deux éléments essentiels des échanges n'est pas qui est le prix et la marchandise n'est pas clairement défini, l'islam interdit ce genre de transactions puisque ça peut être une source de querelles, de malentendus. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, il y a ce qu'on appelle al-gharar. Al-gharar, c'est une tromperie. C'est-à-dire, l'un des deux parties est induit dans l'erreur et, comment dirais-je, est trompé quelque part. Donc, l'un des deux parties est trompé quelque part. Donc, des échanges où il y a une tromperie, il y a, comment dirais-je, on induit l'un des deux parties dans l'erreur. Donc, dans ce genre des échanges, comment dirais-je, quoi, c'est islamiquement, c'est interdit. C'est interdit, donc il faut une clarté. Donc, par exemple, comment dirais-je, les assurances, il y a cette partie. Il y a notamment, comment dirais-je, quoi, l'assuré est souvent induit dans l'erreur. Et trompé, c'est moi, les assurances, j'appelle l'arnaque légalisée. C'est une arnaque, mais c'est légal. C'est les lois l'autorisent. Mais on vient, quand il s'agit au moment où ils te font des démarches pour souscrire un contrat, on te fait tout est beau, tout est. Comment dire, aucun problème, on est là pour t'aider. Mais tant que tu payes, ouais, on est là pour t'aider. Mais les jours où il y a un pépin ou un noyau, après, il faut se lever tôt pour se faire rembourser. Même quand tu te lèves tôt, on va te dire, tu dois payer, je ne sais pas, des franchises ou je ne sais pas quoi. Non, il y a, comment dirais-je quoi. Donc, il faut, quand il y a une tromperie quelque part, donc c'est interdit. Troisième raison qui interdit les relations, les transactions, c'est riba, l'usure. L'usure, puisque l'usure, en réalité, c'est une exploitation de besoin de celui qui est dans le besoin. On abuse de la personne qui est dans le besoin. Donc, il faut savoir que riba était courant, pratiqué dans la société mécoise ou bien dans les sociétés arabes avant l'islam. C'était une pratique courante, ça faisait partie de leur mode de vie. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il va procéder dans l'interdiction de riba d'une manière graduelle, progressive. C'est-à-dire, riba n'a pas été interdit d'une manière brusque. Ça a été interdit, progressivement. Par exemple, si vous regardez le verset coranique en relation avec le riba, qui traite la question de riba, vous allez constater que l'interdiction de riba est passée par quatre phases. Par quatre phases ou quatre étapes. Quatre étapes. Donc, première étape de l'interdiction de riba. Donc, riba, ça veut dire l'usure. L'intérêt usuraire, l'usure. Donc, c'est la période mécoise, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore à la Mecque,
c'est-à-dire avant l'immigration à Médine. Donc il y a eu la révélation de ces versets de Sourate Ar-Rum, le verset 39 de Sourate 30. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاتٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ » Allah dit « Tout ce que vous donnez à l'usure pour augmenter vos biens aux dépens des biens d'autrui, ne les accroît pas auprès d'Allah. Mais ce que vous donnez comme zakat, en cherchant la face d'Allah, c'est-à-dire sa satisfaction, ceux-là verront les récompenses multipliées. » Dans ces versets, Allah dit « Ce que vous donnez à l'usure, c'est-à-dire des gens qui prêtent à l'usure, ils prêtent à l'usure pour faire augmenter leurs biens. » Donc Allah dit « Ce que vous donnez à l'usure pour augmenter vos biens, aux dépens des biens d'autrui, ne les accroît pas auprès d'Allah. » Donc, ça veut dire la personne qui va prêter des sommes d'argent à l'usure, c'est l'intérêt qui va encaisser, il pense que cet intérêt, ça va faire augmenter ce bien. Allah dit, ne le fait pas augmenter auprès d'Allah. Pourquoi ça ne le fait pas augmenter auprès d'Allah? Puisque Allah, il dit dans un autre verset, comme on verra, « Yamhaqullahu riba ». Allah anéantit riba. C'est-à-dire, Allah, il enlève la baraka, la bénédiction de riba. Donc, ce premier verset, Allah, il dit, ce que vous donnez à l'usure pour faire augmenter vos biens aux dépens des biens d'autrui, ne les accroît pas auprès d'Allah. Mais ce que vous donnez comme zakat, hein, tout en cherchant la face d'Allah, c'est-à-dire tout en cherchant l'agrément d'Allah, ceux-là verront les récompenses multipliées. Donc ici, on va bien, il n'y a pas une interdiction. Mais tout simplement, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset que, étant ce verset, comme j'ai dit, ça a été révélé à la Mecque. Donc, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vivait parmi des polythéistes et qu'ils avaient l'autorité à la Mecque. Mais Allah, il leur dit, vous vous trompez quand vous pensez que, en prêtant avec l'usure, que l'usure va faire augmenter vos biens, vous vous trompez. Mais ce qui va faire augmenter réellement vos biens, c'est ce qui donne des zakats en cherchant l'agrément d'Allah, il a sa satisfaction. Donc ici, ces versets, en quelque sorte, attirer l'attention des gens, de dire, en réalité, l'usure, c'est quelque chose qui n'a pas d'intérêt. Hein, c'est quelque chose qui n'a pas d'intérêt. C'est quelque chose que Allah n'agrée pas, Allah n'accepte pas. Donc, c'est quelque chose que Allah n'aime pas. Donc, ça, c'était la première étape. Ensuite, il va y avoir une autre révélation dans le Coran, à Médine. Donc, une révélation de ces versets de Surat Nisa, les femmes. Sourate 4, verset 161, Allah subhanahu wa ta'ala parle des juifs, des enfants d'Israël à Médine. Donc Allah dit, en fait, « فَبِظُلْمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ » Il dit, « À cause de l'injustice de ceux qui se sont judaïsés, nous leur avons interdit des bonnes choses qui leur ont été licites, des bonnes choses qui étaient licites pour eux. » Allah dit, « À cause de leur injustice, des bonnes choses qui étaient licites, leur a été interdit. » Et aussi, il dit qu'ils ont été maudits, il dit « wa akhdhihim ar-riba » et aussi à cause de qu'ils prenaient des intérêts usuraires. À cause qu'ils prenaient des intérêts usuraires qui leur a été pourtant interdit. Et parce qu'ils mangeaient illégalement le bien des gens et ceux d'entre eux qui sont mécréants. Et à ceux d'entre eux qui sont mécréants, nous avons préparé un châtiment douloureux. Donc ici, ce verset, ça a été révélé à Médine. Donc, en quelque sorte, qui condamnait cette pratique que certains gens des livres qui faisaient, malgré que cela a été interdit. Donc, ça veut dire, Allah, il met en évidence à travers ces versets, que l'usure était interdite aux enfants d'Israël, aux Juifs. Mais cependant, il est pratiqué.
Donc, Allah, il dit ça, et il menace que ceux qui se livrent à la pratique de l'usure, d'un châtiment douloureux. Donc, ces versets n'interdisent pas la pratique de l'usure aux musulmans, mais qui dit que ces gens de livres qui pratiquaient, mais cependant, dans leur religion, leur a été interdit la pratique de l'usure. Mais ils le font. Donc, et ils sont menacés par un châtiment douloureux. Donc, en quelque sorte, on peut dire ces versets, c'est en quelque sorte une préparation pour préparer le musulman à accepter l'interdiction, puisque de dire, donc, ceux qui vous ont précédé, ça leur a été interdit, mais certains d'entre eux continuent à le pratiquer. Donc, et Allah les menace d'un châtiment douloureux, en quelque sorte, ça veut dire un musulman qui l'attend, et ça, c'est dit, donc ça veut dire, même pour nous, c'est pas bien, mais encore, ce n'est pas une interdiction formelle, il n'y a pas une interdiction pour le musulman. Donc ça, c'était deuxième étape de la révélation du verset concernant riba. Ensuite, troisième phase de l'interdiction de riba, donc c'est ce verset de Surat Al-Imran, la famille d'Imran, Surat 3, de verset 130 au verset 132. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ya yuhalladina amanu, la ta'akulu riba adha'afa mudha'afa, wa ta'kullaha la'allakum turhamu, la'allakum tuflihun, wa ta'kun nara allati u'iddat lil kafirin, wa ati'u allaha wa rasoul la'allakum turhamun. » Allah dit « Ô vous les croyants, ô vous les croyants, ne pratiquez pas l'usure en multipliant démesurément votre capital. » Et craignez Allah afin que vous réussissiez. Et craignez le feu préparé pour le mécréant et obéissez à Allah et au messager afin que vous soyez fait miséricorde. Donc ces versets, en quelque sorte, même ces versets n'interdisent pas explicitement, mais ces versets décrivent une réalité qui était pratiquée dans la société. Donc, qui est le fait que les gens multipliaient démesurément leur capital par le biais d'intérêts. Donc, Allah dit, ô vous les croyants, ne pratiquez pas l'usure en multipliant démesurément vos capitales. Donc, certains savants, notamment des Égyptiens qui, à l'époque, qui ont dit, en fait, l'usure, ou bien l'intérêt qui est interdit, c'est quand on multiplie démesurement son capital, mais un faible taux d'intérêt, ce n'est pas interdit. Mais cet avis, ça a été rejeté par la majorité des savants musulmans, de dire, puisque bon, on verra aussi clairement qu'en fait, en islam, l'islam interdit toute forme d'intérêt usuraire, que ce soit un faible taux ou bien un taux très élevé. Donc, mais certains, ils ont déduit de ces versets, quand Allah dit, oh, vous les croyants, ne pratiquez pas l'usure en multipliant démesurément vos capital et craignez Allah afin que vous réussissiez, et craignez le feu préparé pour le mécréant, et obéissez à Allah et aux messagers afin que vous soyez fait miséricorde. Donc, en fait, ces versets donc, parlent de ce qui était courant, puisque les gens, à l'époque, ils multipliaient leur capital démesurément par le biais d'intérêt. Donc, comme j'ai dit, jusqu'à ici, il n'y a pas une interdiction formelle, une interdiction claire. Donc, le verset qui vont interdire formellement et clairement à riba, donc ce sont les versets de Sourate al-Baqarah, la vache, Sourate 2. Donc, qui est une sourate qui est révélée à Médine. Donc, c'est le verset à partir du verset 275. Du verset 275 au verset 281. À travers ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ya yuhalladina alladina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumu alladhi yatakhabbatuhu shaytanu min al-mas. Dhalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu riba wa ahallu Allahu al-bay'a wa harrama riba. Faman ja'ahu ma'idhatun min rabbihi fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون Dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui mangent, c'est-à-dire ceux qui pratiquent, ceux qui mangent de l'intérêt usuraire, ne se tiennent au jour du jugement dernier que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. C'est là car parce qu'ils disent, le commerce est tout à fait comme l'intérêt. Alors que Allah a interdit a rendu licite le commerce et illicite l'intérêt. Celui donc qui cesse dès que lui est venu une exhortation de son Seigneur peut conserver ce qu'il a acquis auparavant et son affaire dépend d'Allah. Mais quiconque récidive, alors le voilà, les gens du feu. Les gens du feu, ils y demeureront éternellement. Allah anéantit l'intérêt jureur et fait fructifier les aumônes. Et Allah n'aime pas le mécréant pécheur. Ceux qui ont la foi et font de bonnes œuvres, accomplissent la salat et acquittent la zakat, auront certes leur récompense auprès de leur Seigneur. Pas de crainte pour eux, et ils ne seront point affligés. Ô croyants, craignez Allah et renoncez aux reliquats et l'intérêt usuraire, si vous êtes croyants. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de son messager. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux, vous ne léserez personne et vous ne serez pas lésés. Vous ne serez point lésés. À celui qui est dans la gêne, accordez un sursis jusqu'à ce qu'il soit dans l'aisance. Mais il est mieux pour vous de faire remise de la dette par charité si vous saviez. Et craignez les jours où vous serez ramenés vers Allah. Alors chaque âme sera pleinement rétribuée de ce qu'elle aura acquis et ils ne seront point lésés. Donc ces versets sont les derniers versets qui ont été révélés pour interdire riba, pour interdire l'usure. D'ailleurs même, ces versets sont les derniers versets qui ont été révélés dans le Coran qui clôt la législation musulmane, selon Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu. Donc ces versets, qu'est-ce qu'Allah nous dit dans ces versets? Allah dit, ceux qui mangent l'intérêt usuraire ne se tiennent au jour du jugement dernier que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Donc Allah dit, ceux qui pratiquent riba dans ce monde, au jour du jugement dernier, ne se tiendront que comme se tient celui qui est bouleversé par le toucher de Satan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit que, lors de l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez bien que le prophète, Allah, il a fait voir le paradis et l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lors de l'ascension, il a vu un homme ou une personne, le ventre aussi gros comme une maison. Et chaque fois qu'il s'élève, il essaie de s'élever, il tombe. Chaque fois qu'il essaie de s'élever, il tombe. Il demande à l'ange qui était avec lui, qui est celui-là, il dit, ça ce sont des gens qui pratiquent l'usure. Donc ils ne s'élèveront comme si ce n'est que comme s'élève celui qui est. C'est lui que les touchés de Satan a bouleversé. Il dit pourquoi? Car c'est là parce qu'ils disent le commerce est comme l'intérêt. Allah a rendu licite le commerce et illicite l'intérêt. En fait, quand l'islam vient pour interdire l'intérêt, les commerçants, les Quraysh disent non, l'intérêt
L'usure, c'est comme le commerce. Le commerce, si tu achètes une marchandise à 10 euros, tu le vends à 15 euros. Les 15 euros, c'est les bénéfices que tu fais. Donc nous aussi, nous prêtons 100 euros et nous récupérons 120. Donc les 20 euros, c'est l'intérêt, c'est le bénéfice. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit non, c'est pas pareil. Puisque, comment dirais-je, dans les relations des échanges, des ventes et achats, en fait, on rend des services les uns aux autres. L'acheteur rend des services à celui qui vend aussi, il rend des services à l'acheteur, puisque celui qui achète, il a besoin de cette marchandise, il en a besoin. Et aussi le vendeur a besoin. Donc, en fait, chacun, en quelque sorte, tous, aide l'autre. Mais par contre, dans les prêts, à l'usure, on abuse des besoins de celui qui est dans le besoin. C'est celui qui va emprunter, il est dans le besoin, a besoin d'avoir de l'argent pour acheter, pour subvenir à un besoin. Et donc, quand on lui prête et qu'on lui demande de rembourser de plus, on abuse de ses besoins. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est pas pareil. Allah a rendu licite le commerce et illicite l'intérêt. Et dit celui donc qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur peut conserver ce qu'il a acquis auparavant. Donc si une personne qui pratique riba, l'usure, et qui ne savait pas, dès qu'il apprend que c'est interdit, il doit cesser de faire. Mais ce qu'il a acquis avant qu'il ne sache l'interdiction, Allah il dit il peut le conserver. Ce qu'il a acquis avant, il peut le conserver. Donc, mais il dit, mais quiconque qui récidive, peut conserver ce qu'il a acquis auparavant, et son affaire dépend d'Allah. Mais quiconque récidive, alors le voilà, les gens de feu. C'est que récidive, après qu'ils ont su que c'est interdit, qu'ils continuent, il dit voilà les gens de feu, ils y demeureront éternellement. Ensuite, il dit Allah anéantit l'usure et fait fructifier le monde. Donc, vous voyez, dans le premier verset que je vous ai cité, vous trouvez toujours ces liens entre riba et zakat et l'aumône. Bon, je dirais quelque chose. Le Coran fait ces liens entre riba et l'aumône. J'y reviendrai, Inch'Allah. Donc, ici, Allah il dit Allah anéantit l'usure et fait fructifier l'aumône. Donc, anéantit, ça veut dire qu'il enlève la baraka. La personne qui va pratiquer l'usure pour faire augmenter ce bien. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit, c'est lui qui pratique le riba, même s'il gagne beaucoup, et son sort, il revient à peu. C'est-à-dire, puisque Allah, il va anéantir, il va enlever la baraka, la bénédiction, de ce bien qui a gagné illicitement par le biais de riba. Donc, ça ne servira pas la personne. Donc, aujourd'hui, il y en a certains qui peuvent me dire, mais regardez les pays occidentaux. L'Occident, ils ne font qu'ils pratiquent l'usure, mais malgré ça, comment dirais-je, ils sont développés, leurs affaires marchent bien, ça augmente. Mais en réalité, comment dirais-je, ça augmente, ça fructifie visiblement, mais dans la réalité, non. Puisque ce bien-là, premièrement, comme un bien qui est gagné illicitement, ils auront beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis dans ce monde, et dans l'au-delà, il y a les châtiments terribles dans l'enfer que Dieu nous en préserve. Donc, ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Allah anéantit l'usure et fait fructifier le monde, et Allah n'aime pas le mécréant pécheur. Ceux qui ont la foi, donc ensuite vous avez ces versets, ceux qui ont la foi et font des bonnes œuvres, accomplissent la salat et acquittent la zakat, auront certes leur récompense auprès de leur Seigneur et pas de crainte pour eux, et ils ne seront point affligés. Donc ensuite, il dit, ô vous les croyants, craignez Allah et renoncez aux reliquats de l'intérêt usuraire, si vous êtes croyants. Donc il dit, ô vous les croyants, renoncez, c'est-à-dire quelqu'un, un croyant à qui parvient une exhortation, il apprend qu'il est interdit de riba, Allah il dit, il faut renoncer au reliquat. S'il avait prêté de l'argent à l'usure,
il doit juste récupérer son capital. Il ne doit pas, comment dire, ne doit pas récupérer, il doit renoncer aux, comment dire, aux intérêts qui lui ont été promis. Hein? Il doit renoncer au reliquat des intérêts si vous êtes croyant. Si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et son messager. Et si vous vous répandez, alors vous aurez vos capitaux, vous ne léserez personne et vous ne serez point lésés. Donc Allah dit, celui qui ne renonce pas, qui continue, qui reçoit l'annonce de guerre de la part d'Allah. Donc subhanallah, cela nous montre bien la gravité de la pratique de l'usure. Le seul péché où Allah déclare la guerre contre celui qui le fait, c'est regard. Il n'y a pas un autre péché où Allah déclare la guerre à celui qui le fait, autre que le riba. Donc ça veut dire vraiment que le riba, vraiment... Hein? Ouais, bah, le même shirk, là, Allah dit qu'il ne pardonne pas shirk, mais il ne déclare pas la guerre contre le mushrik. Mais le seul péché où Allah déclare la guerre contre lui, c'est celui qui pratique le riba. Donc cela nous montre bien vraiment que c'est quelque chose de très très grave. C'est quelque chose de très grave dans l'islam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et celui qui est dans la gêne, et accorde-lui un sursis jusqu'à ce qu'il soit dans l'aisance. Donc c'est-à-dire, si vous prêtez l'argent à une personne et que la personne a la difficulté de rembourser, donc accorde-lui un délai. Un délai jusqu'à ce qu'il soit dans l'aisance, qu'il soit en mesure de payer. Il dit, si vous faites une remise de ces dettes par charité, c'est mieux pour vous si vous saviez. Ensuite, le dernier verset donc dit, et craignez les jours où vous serez ramenés à Allah, alors chaque âme sera pleinement rétribuée de ce qu'elle aura acquis et il ne sera point lésé. Ne sera point lésé. Donc on voit à travers ces versets, comme je vous disais, ces versets, ce sont les versets qui ont interdit définitivement la pratique de l'usure en islam. Donc, premièrement, on peut retenir un certain nombre de points de ces versets. Premièrement, est que Allah subhanahu wa ta'ala interdit l'usure, qu'il soit peu ou beaucoup. Parce que Allah dit, si vous vous répandez, vous aurez à récupérer vos capitaux. Donc, le capital, il n'est pas... Si le taux est faible, vous pouvez... Non. Que le taux soit faible ou beaucoup, c'est interdit. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, comme on voit qu'il y a un lien entre riba et zakat. C'est dans le premier verset. Allah dit, ce que vous donnez à l'usure pour faire augmenter le bien des gens, ça ne le fait pas augmenter auprès d'Allah. Mais ce que vous donnez comme l'aumône, ceux-là se verront multiplier les récompenses. Donc aussi, il dit, Allah anéantit le riba, il fait fructifier le monde. Donc, ça veut dire que riba, c'est-à-dire les règles établies par Allah concernant riba, et aussi zakat, sont les deux piliers, font partie des piliers de l'économie et la finance islamique. Car, comme je vous disais, riba, c'est l'exploitation, l'abus, le besoin, zakat, c'est l'entraide, c'est la solidarité, c'est la bonté, la charité là, et la bienveillance. Donc ça, c'est deuxième chose. Et troisième chose, comme j'ai dit, pour réellement nous montrer qu'est-ce qu'il y a, c'est très très grave, Allah il déclare la guerre contre celui qui persiste à pratiquer le riba. Donc il déclare la guerre. Quatrième chose, en fait, ces versets, comme je vous dis, selon Ibn Abbas, ce sont les derniers versets, les derniers versets qui ont été révélés dans le Coran qui clôt la législation. La législation, donc c'est le dernier verset, donc c'est le verset 281, Ibn Abbas il dit, c'est le dernier verset qui a été révélé, c'est le dernier verset qui a été révélé au prophète avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi dans d'autres propos de Omar il dit, le verset de riba ont été révélés, sont les derniers versets qui ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, laissez renoncer à toute forme de riba, donc ça ce sont les versets coraniques
Donc, comme vous avez vu, ça passe par quatre phases dans l'interdiction de riba pour arriver à une interdiction progressive. Ensuite, vous avez riba, la mention de riba dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes, il y a énormément de hadiths. Donc, j'en ai choisi quelques-uns. Comment dirais-je, je crois, quelques-uns, puis sinon, on ne peut pas tout, il y en a trop. Mais l'un des hadiths le plus important aussi, c'est le dernier serment du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors du pèlerinage d'Adieu. Lors du pèlerinage d'Adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de l'Eid du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un serment. Et ces serments qui, comment dirais-je, souvent vous les trouvez, les derniers serments du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le serment d'adieu, voilà, qui est intitulé le serment d'adieu, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ses serments, il met en évidence certains principes fondamentaux de l'islam. Donc parmi ces principes, donc les hadiths il est long, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, l'usure qui était pratiquée à l'époque anti-islamique est caduque et annulé. Il dit, le premier riba par lequel je commence à l'annuler, c'est le riba de mon oncle Al-Abbas. C'est l'oncle du prophète Abbas, c'était un commerçant qui prêtait à l'usure. Il dit, le premier riba que j'annule, j'en ai anti, c'est le riba de mon oncle Al-Abbas. Donc, ensuite, dans ces hadiths, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit clairement que riba est caduque en islam, donc on ne doit pas pratiquer riba. Donc il y a ces hadiths. Donc, et aussi, il y a un autre hadith rapporté par l'imam muslim, d'après Oussama ibn Zayd, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'aime riba fin nasi'a. Il dit, il n'y a pas de riba que dans nasi'a. En fait, si vous voulez, chez les savants musulmans, en fait, il y a deux types de riba. Il y a ce qu'on appelle riba an-nasi'a, c'est-à-dire riba, l'usure qu'on obtient en contrepartie du fait d'accorder un délai, à la personne qui est endettée. Débiteur, voilà. Le fait d'accorder un délai et en contrepartie de ces délais, donc il rajoute. En fait, si vous voulez, la pratique qui s'est pratiquée à l'époque, quand les gens prêtaient de l'argent et quand l'échéance arrive, il dit, soit tu payes ou soit tu augmentes, tu donnes plus. Ben, les gens, ils disaient, ben, quand ils sont pas en mesure de payer, ils disent, ben, j'augmente. Donc, il dit, ça, c'est ce qu'on appelle riba an-nasi'a. Donc, je ne sais pas comment on pourra, en français, comment on pourra dire. Donc, c'est riba qui est pratiqué aujourd'hui. C'est l'allongement du prêt. Voilà, l'allongement du prêt en contrepartie des compensations financières. Des rachats de crédit essentiellement. Voilà. Donc, et deuxième type de riba, c'est ce qu'on appelle riba al-fadl. Riba al-fadl, c'est riba de... Al-fadl, ça veut dire de plus. Hein? Non, pas de profit. Ça veut dire de... Al-fadl, c'est en plus. Bon, ça concerne surtout un certain nombre des éléments que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a défini quand on échange, par exemple, des dates. Quand on échange des dates contre des dates, ça doit être la même mesure, le même poids, pas plus. Si on donne plus, c'est une forme de riba. Bon, ça, je reviendrai, inshallah, comme si on a des hadiths à ce sujet. Donc, il y a ces hadiths donc, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il n'y a pas de riba qui est dans riba al-nasi'a, riba de prêt. Au point où Abdullah ibn Abbas, à un moment donné, il était d'avis de dire que l'autre forme de riba, que ce n'était pas interdit. Mais puisque Ibn Abbas, il n'a pas eu connaissance de ces hadiths, des hadiths qui l'interdisaient, mais après, quand il va avoir connaissance, il va revenir sur sa position. Donc, bon, en fait, c'est vrai, c'est cette forme de riba qui était pratiquée, qui était très courant.
Les savants, ils nous disent que l'autre forme de riba qui concerne l'échange de certaines matières, ils disent ça, c'était Allah, il l'a interdit parce que le fait de l'autoriser, ça pourrait conduire, encourager les gens à pratiquer l'autre forme de riba. Donc, on a un hadith rapporté par Bukhari. D'après Abu Saïd al-Khudri, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ne vendez pas, c'est-à-dire n'échangez pas l'or contre l'or, à moins qu'il soit pareil. N'échangez pas l'or contre l'or, à moins qu'il soit pareil. C'est-à-dire, si vous échangez 20 grammes d'or, ça doit être 20 grammes d'or. 20 grammes contre 20 grammes. On ne peut pas échanger 20 grammes contre 22 ou 20 grammes contre 25, non. S'il y en a, ça c'est ce qu'on appelle le riba al-fadl. Il y en a. Hein? Donc, en fait, il faut savoir que dans les échanges, et malheureusement, des fois, dans le monde arabe, il y a ces pratiques qui font. Par exemple, des gens qui vont, ils ont une ancienne bijou, qui vont échanger contre un nouveau modèle, ben, ils vont payer plus. Ils vont payer plus, puis c'est, ils vont dire, puis c'est, il y a, c'est la fabrication. Non, quand on échange, quand on fait des échanges de l'or, ça doit être le même poids. On ne tient pas compte de la fabrication ou bien, je ne sais pas, d'autres facteurs, non. Donc, dans le si jamais ce n'est pas la même valeur, il faut vendre ce qu'on a, on le vend. Après, avec l'argent, on va acheter ce qu'on a envie d'acheter. Mais en termes d'échange, ça doit être le même poids. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ne vendez pas l'or contre l'or, à moins que ce soit pareil. Et ne faites pas en sorte que les uns soient plus que d'autres. Et ne vendez pas l'argent, c'est-à-dire le métal, l'argent contre l'argent, à moins que ce soit pareil. Et n'augmentez pas l'un sur l'autre. Et ne vendez pas quelque chose qui est présent contre quelque chose qui est absent, qui est absente. C'est-à-dire, ça doit être main à main. C'est-à-dire, quand on fait l'échange de l'or contre l'or ou de l'argent contre l'argent, ça doit être le même poids, ça doit être main à main. Donc, sinon, si l'un est plus que l'autre, c'est haram. Et aussi, si l'un on donne maintenant et l'autre on donne plus tard, aussi c'est haram. Ça doit être main à main. Et aussi le même poids. Donc, aussi, on a un autre hadith rapporté par Muslim et d'autres. D'après Ubad ibn Samit, radiallahu anhu, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, l'or contre l'or et l'argent contre l'argent, le blé contre blé, l'orge contre l'orge, la date contre date, le sel contre sel, ça doit être pareil et identique, et main à main. Si les éléments changent, c'est-à-dire si vous changez des dates contre blé, ou bien vous changez l'or contre l'argent, il dit vous pouvez vendre comme vous voulez. Vous pouvez vendre comme vous voulez. Mais si vous changez le même élément contre son pareil, contre son semblable, ça doit être même poids et aussi main à main. Main à main. Vous avez compris? C'est vrai, c'est un peu difficile de traduire ces hadiths. Donc, il dit, mais quand ça change, donc on peut, par exemple, pour changer date contre sel, il n'y a pas de problème. Vous pouvez échanger comme vous voulez. Donc, on a un autre hadith, en fait, qui met en évidence cela. Abu Hurayra radiallahu anhu dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait engagé un homme à travailler pour lui à Khaybar. Le prophète avait engagé un homme comme un ouvrier à Khaybar. Il dit, cet homme, il lui a apporté des dattes qu'on appelle janib. En fait, c'est une meilleure qualité, c'est une très très bonne qualité des dattes. Il a apporté ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, est-ce que tous les dattes de Khaybar sont comme ça? Le prophète, il interroge cet homme. Il lui dit, est-ce que tous les dattes de Khaybar, ils sont comme ça? L'homme, il dit, non. Il dit, par Dieu, au messager de Dieu, nous prenons un soir de ces dattes, par deux soirs de d'autres qualités de dattes. C'est-à-dire, si quelqu'un qui veut cette qualité de dattes que je t'ai apportée,
s'il veut échanger avec d'autres dates, il faut des sarts. Il faut qu'il donne des sarts. Les sarts, c'est une unité de mesure. Par exemple, zakat el fitr qu'on doit payer à la fin du mois de Ramadan, zakat el fitr, c'est la valeur d'un sarr de nourriture. La valeur d'un sarr de nourriture. Donc, il dit, on échange un sarr, ça, contre deux sarrs des autres qualités de dates. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a dit, non, ne le faites pas. Ne faites pas cet échange. Il dit, si vous voulez, vendez ce que vous avez comme date, avec des rames, avec l'argent, et ensuite achetez cette meilleure qualité. Ensuite, donc, les savants se sont posé des questions. Est-ce que ces éléments qui sont cités ici, l'or, l'argent, le blé, l'orge, la date et sel, est-ce que c'est restreint à ces sept éléments, ces six éléments? Est-ce que lorsqu'on change ces six éléments contre la même, on ne doit pas augmenter l'un sur l'autre? Ou bien on peut, par analogie, appliquer à d'autres éléments? Donc, la majorité des savants, la quasi-majorité, la totalité, bon, il y a quelques-uns qui avaient d'avis que de dire que c'est restreint à ces six. Les autres, par exemple, des riz, des maïs, ou je ne sais pas, on peut échanger comme on veut. Dans certains savants, ils sont d'avis. Mais la majorité des savants, ils disent non. C'est-à-dire, on ne peut pas, par exemple, toute marchandise ou bien tout aliment qui peut être conservé longtemps, par exemple comme du maïs, comme du riz, autres, je dis, on ne peut pas échanger. Par exemple, on sait bien, il y a plusieurs qualités de riz. Si vous achetez des riz contre riz, je dis, ça doit être le même poids et la même quantité. Mais par contre, si vous échangez des riz contre autre chose, vous pouvez augmenter. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir, ici on va à travers le verset, le hadith, l'interdiction de l'usure qui est l'usure de prêt et l'interdiction de l'usure c'est quand on fait un échange de certaines matières, donc c'est interdit de faire l'usure. Donc, je crois que ça fait combien de temps? On fait bientôt la pause. D'accord. Donc, vous voyez, donc on a vu le verset qui interdit l'usure, l'intérêt, riba. Je terminerai les hadiths qui concernent les hadiths par des hadiths qui mettent en évidence la gravité de la pratique de riba. Donc, on a beaucoup de hadiths aussi dans ce sens, mais j'en ai choisi quelques-uns. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par Bukhari, il dit, ijtanibu as-sab' al-mubiqat. Qalu ya Rasulallah wa ma hun, qala ash-shirku billah wa as-sihr wa qatl an-nafs allati harrama Allah illa bil-haq wa akl ar-riba wa akl mal al-yatim wa tawalli yawm az-zahf wa qadhf al-muhsanat al-mu'minat al-ghafilat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, évitez, éloignez-vous des sept péchés capitaux, des sept péchés qui conduisent à la perdition. Éloignez-vous, évitez les sept péchés qui conduisent à la perdition. Ils ont dit, quels sont vos messagers d'Allah? Le prophète, il a dit, ashirk, l'associationnisme. Le fait d'associer quelque chose à Allah ou adorer quelque chose en dehors d'Allah. Wassihr, la sorcellerie. La sorcellerie, la magie. Donc, vous voyez, le premier péché capital qui conduit à la perdition, c'est shirk. Puisque shirk, c'est un péché que Allah ne pardonne jamais. À moins que la personne se repent sincèrement. C'est-à-dire, quand on dit Allah ne pardonne pas shirk, ça ne veut pas dire si la personne se repent, Allah ne le pardonne pas. Ça veut dire si la personne meurt étant mushrik, il va éternellement en enfer, il ne sortira jamais de l'enfer. Si une personne qui meurt en étant mushrik polythéiste, il va éternellement en enfer. Mais par contre, s'il se repent, bien sûr, Allah lui pardonne. Donc, la deuxième, c'est la sorcellerie, la magie.
La sorcellerie et la magie, puisque la sorcellerie, c'est une kufr. La sorcellerie, la personne qui pratique la sorcellerie, ça le fait sortir de l'islam. Un sorcier ou un magicien n'est pas musulman. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Baqarah, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينَ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Allah dit, ils suivirent ce que les démons racontent sur les règnes de Salomon. Salomon n'a jamais m'écrit, mais plutôt ce sont les démons qui ont m'écrit. Ils enseignent aux hommes la magie, la sorcellerie. Et ça n'a pas été révélé aux deux anges, Harout et Marout, à Babel. Et ils n'enseignent à personne sans lui dire, attention, nous ne sommes qu'une tentation, ne sois pas mécréant. Donc ça veut dire la personne qui apprend la magie, la sorcellerie, devient mécréant. Donc, mais malheureusement, aujourd'hui, on trouve dans le monde musulman beaucoup de gens qui pratiquent la sorcellerie, la magie, et la magie et la pratique de la sorcellerie et la magie, c'est, ça fait que la personne il sort de l'islam. Il sort de l'islam par ça. Donc c'est le deuxième. Le troisième, il dit le fait de tuer une âme que Allah a rendue sacrée sans raison. En islam, tuer une âme, Allah, ici, il ne dit pas tuer un musulman ou tuer un croyant. Non, tuer une âme. Qui que ce soit, tuer une âme sans raison, ça fait partie du péché qui conduit à la perte, à la perdition. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Min ajli dhalika, c'est pour cette raison, nous avons prescrit aux enfants d'Israël, annahu man qatala nafsan bighayri nafsin, que quiconque qui tue une âme non coupable d'un meurtre, au façade d'une filable ou une sédition, c'est-à-dire une corruption sur terre, faka'annama qatala nasa jamia, c'est comme s'il a tué tous les hommes. Et celui qui sauve une vie, c'est comme s'il a sauvé toute l'humanité. Donc, en islam, on ne peut pas dire que l'islam incite, encourage le meurtre, notamment des meurtres des innocents. Non, une vie est sacrée en islam. Car un meurtrier, c'est lui qui se donne le droit de tuer, en quelque sorte, il se place à la place de Dieu. C'est pour cette raison, c'est très grave. Parce que Allah, il est le seul qui donne la vie, il est le seul qui a le droit d'enlever la vie. Aucun homme n'a le droit d'enlever une vie sans raison valable. Donc, troisième, il dit, c'est le fait de tuer une âme sans raison. Et quatrième, il dit, le fait de consommer le riba. Le fait de consommer le riba. Et quatrième, et cinquième, le fait de consommer injustement le bien d'orphelin. Et sixième, donc le fait de tourner le dos, fuir le jour de combat. C'est-à-dire si un musulman qui se trouve dans un champ de combat, le jour de combat, le fait de fuir, tourner le dos, aussi fait partie des péchés capitaux. Et septième, le fait d'accuser mensongèrement les femmes croyantes, chastes, insouciantes, c'est-à-dire elles ne pensent pas du tout à la turpitude au mal, et on les accuse injustement de l'adultère, le fait d'accuser des femmes croyantes, chastes et mensongèrement. Donc, on voit bien que riba, il fait partie de ces sept péchés capitaux. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans un autre hadith rapporté par Al-Hakim et Al-Bayhaqi, le prophète, il dit toutefois que zina, la fornication ou l'adultère, toutefois que zina, riba, se répandront dans une société, ils méritent d'encourir le châtiment d'Allah. Ils s'exposent au châtiment d'Allah. Le prophète dit toutefois que dans une société où il se répandra zina, la fornication, l'adultère et riba, ils s'exposent au châtiment d'Allah. Et dernier hadith par lequel j'ai... Non, l'avant-dernier hadith, avant la pause. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith, il dit que Dieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui consomme riba, celui qui consomme, et celui qui fait consommer, c'est-à-dire celui qui donne.
dit le prophète a maudit. Celui qui consomme riba, celui qui le fait consommer. Et celui qui l'écrit. Celui qui écrit riba, c'est-à-dire la personne qui travaille à la banque et qui fait signer les contrats de l'usure. Ouais, dit, le prophète a maudit, celui qui consomme riba, celui qui le fait consommer, celui qui l'écrit, celui qui en témoigne. Ils lui disent, ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Hadith rapporté par l'imam Muslim. Le dernier hadith, aussi vraiment qui montre vraiment la gravité de riba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le riba, dans l'usure, il y a 70 péchés. Il dit, dans le riba, il y a 70 péchés. Et il dit, le moindre péché de riba, c'est comme le fait de faire l'inceste avec sa mère. Il dit, il y a 70 péchés dans le riba. Et le moindre de ces péchés, c'est comme le fait de faire l'inceste avec sa mère. Donc, cela, ça nous montre vraiment que riba, c'est quelque chose. Ben, comme je vous disais, c'est le seul péché dont Allah déclare la guerre contre celui qui l'a fait. Bon, Inch'Allah, on va marquer la pause ici. Après, on reviendra après la pause pour parler un peu des riba de nos jours et aussi un échange avec vous, Inch'Allah. Non, mais c'est juste pour comprendre. En fait, si vous voulez, en islam, l'argent ne fait pas de l'argent. L'islam veut que l'argent soit fructifié, que l'argent soit travaillé. Donc le fait que, pardon, à la banque, que quand vous déposez une somme, qu'on vous donne des intérêts, en quelque sorte, c'est comme si votre argent qui rapporte. Alors qu'en islam, non, l'argent ne doit pas rapporter. On doit faire travailler l'argent. Et la question de faire travailler l'argent, c'est investir, faire du investir commerce. Investir et faire activer l'économie, l'activité. C'est même, oui, quand vous dites que l'argent ne doit pas dormir dans un compte. Même si, pour aller un peu plus loin dans la réflexion, c'est que l'argent ne doit pas dormir dans un compte. Si on veut gagner de l'argent, c'est pas en le laissant dormir dans un compte qu'on va espérer devenir riche. C'est il faut faire fructifier, c'est-à-dire investir, faire du commerce. Investir dans d'autres sociétés et prendre des risques avec des gens qui, eux, lancent des commerces et partager les risques et les succès aussi. C'est ça qu'on dit quand on doit faire fructifier l'argent. Donc sur la question de une banque, elle me rémunère, qu'est-ce que ça veut dire? La banque, elle vous rémunère parce que de toute façon, l'argent sur les comptes courants, ils vont servir surtout pour les frais de fonctionnement de la banque. C'est ça qu'il faut comprendre. Aussi, comprendre aujourd'hui, généralement, quand vous dites « je fais un crédit », tout le monde pense, et peut-être même vous aussi, vous pensez que les crédits sont financés avec l'argent des déposants. Vous dites que c'est l'argent qu'il y a sur les concurrents qui sert à se faire des crédits. C'est pas vrai. Les crédits, c'est de l'argent qui n'existe pas, en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est quand vous contractez un crédit, l'argent n'existe pas. C'est au moment où vous signez le crédit que l'argent est créé. Alors, c'est de l'argent qui n'existe nulle part. Au moment où vous signez en bas d'une feuille de papier, que l'argent est créé et qu'il rentre dans le système. Et la banque, finalement, qu'est-ce qu'elle gagne là-dedans? En fait, la banque, elle va gagner, finalement, à travers les intérêts, elle va gagner son financement à elle. Donc, quand vous signez un crédit dans une banque, vous créez de l'argent qui n'existe pas. C'est pas indexé sur de l'or, c'est pas l'argent qu'il y a dans les comptes courants de la banque. C'est de l'argent qui n'existe nulle part, qu'on crée, et c'est votre reconnaissance de dette qui permet la création de cet argent-là. Donc, si vous les regardez, vous allez chercher sur Internet l'argent de la dette, et vous allez comprendre que, finalement, tout le système aujourd'hui est construit autour de ça. C'est que tout l'argent qui est en circulation, et c'est pour ça qu'il y a eu des crashs boursiers, c'est que tout l'argent qui est en circulation ne repose que sur cette économie de la dette qui est alimentée par les crédits des États et qui est alimentée par les crédits des particuliers. Et c'est pour ça que le risque, à chaque fois qu'il y a des crises bancaires, c'est que tous les gens retirent leur argent, non pas parce qu'on dit qu'il n'y aurait plus de crédit, c'est que si on retire tout l'argent, c'est que les banques n'ont plus de moyens de fonctionnement, en fait. Eux, ils n'ont plus de moyens de fonctionnement, ils n'ont plus moyen de faire tourner leurs propres infrastructures. Voilà, donc c'est ça l'explication. Est-ce qu'il y a... Pour les assurances, les mutuelles, maintenant, sachant qu'on est obligé d'en prendre un peu partout, comment on fait? En fait, il faut savoir que les assurances dont on n'a pas le choix, on est obligé, par exemple, comme quand on a une maison, ou bien quand on est locataire, on est obligé d'assurer la maison, on n'a pas le choix. Ou bien quand on a une voiture, on n'a pas le choix qui est assuré. Les savants, ils disent, ça rentre ça dans ce qu'on appelle la daroura. La nécessité, puis si on est dans le contraire. Mais par contre, au-delà de ce qui voit, quand on a le choix,
même comment dire, les contrats, les assurances ou les mutuelles, quand on a le choix, ça rentre. Notamment des sociétés qui cherchent à travers les assurances et faire des bénéfices, qui sont c'est des commerces, c'est haram. C'est haram. Mais par contre, il y a des mutuelles qui sont des mutuelles coopératives. Des mutuelles coopératives où les cotisants, ce sont en quelque sorte des actionnaires. Et même aussi en cas où, par exemple, si en faisant le bilan, ils sont bénéficiaires, et c'est réparti ou bien c'est réduit dans les cotisations. Oui, là, on peut dire, c'est le principe de ce qu'on appelle takaful. Donc en islam, c'est permis. Des mutuelles coopératives. Oui. Excusez-moi. Non, il y a juste, si je voulais venir sur la notion de la différence entre le murabaha et le prêt. Dans le prêt, c'est beaucoup de gens qui confondent ça, qui disent oui, aujourd'hui, quand on veut acheter avec une banque islamique un bien immobilier, donc aussi, il y a des. En fait, les gens, ils confondent, ils disent il y a des intérêts à payer. Il n'y a pas des intérêts. Ici, la différence entre. Quand vous allez dans une banque traditionnelle, classique, vous voulez acheter un bien immobilier. En réalité, la banque va vous prêter de l'argent. La banque va vous prêter de l'argent pour que vous puissiez réaliser l'achat. Et quand vous achetez, vous allez rembourser l'argent que la banque vous a prêté avec des intérêts. Donc c'est haram. On ne peut pas prêter 100 euros et ensuite récupérer 120 euros. C'est haram en islam. C'est l'argent ne fait pas de bébé. Il ne fait pas de l'argent. Mais par contre, vous allez dire, en termes de murabaha, quand vous avez un bien immobilier que vous êtes intéressé, vous voulez acheter, en fait, la banque islamique, elle va acheter le bien. La banque achète le bien. Ensuite, la banque va vous revendre le bien avec un échelonnement de paiement. Donc, bien sûr, n'importe quelle personne... Un commerçant, si vous voyez un commerçant qui achète ça à 10 euros, qui le vend à 8 euros, vous allez dire, c'est quoi? Il est quoi? Il est fou. Le commerce est fait pour qu'on se fasse des marges de bénéfices, pour qu'on puisse continuer à travailler. Si on vend à perte, après on va finir par fermer. Donc la banque, par exemple, il va acheter le bien immobilier, je ne sais pas, à 5 000 euros, il va vous le vendre à 120 000 euros ou bien à 130 000 euros avec un échelonnement des paiements. Donc ça, c'est une vente et achat, ce n'est pas des prêts. Ce qui est interdit, c'est des prêts avec des intérêts, c'est interdit en islam, mais une vente, achat et vente, ce n'est pas interdit. Même si vous dites que à peu près c'est la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Allah il dit dans le Coran, pareil, quand les polythéistes ils ont dit l'intérêt, c'est comme le commerce. Allah, il dit non, c'est pas pareil. Allah, il a rendu illicite le commerce, il a rendu illicite l'intérêt usuraire. J'avais une question, c'était par rapport au leasing. Aujourd'hui, on propose des produits, des voitures en leasing. À partir de quel moment on peut faire la différence entre un vrai crédit et une location, une pure location? En fait, bon, le leasing, si je comprends bien, c'est-à-dire c'est un contrat de location avec option d'achat. Non, c'est une location longue durée. Oui. Et sans option d'achat. D'accord. À la fin de, on s'engage sur 3 ans sur un véhicule, par oui. exemple. Oui. Pendant ces 3 ans-là, je paye des mensualités. Oui. Et au bout de 3 ans, je lui rends le véhicule. Oui. Tout simplement. Et donc c'est une location. C'est une location c'est tout pure court. Location. C'est pure même location. Si derrière, on voit Volkswagen Bank. Mais puisque vous ne vous endettez pas pour pouvoir le louer. Je ne m'endette pas, mais je m'engage à verser des loyers. Oui, puisque vous utilisez la voiture. Vous utilisez la voiture en contrepartie. Donc, c'est un contrat de location, il n'y a aucun problème. Juste, tu vois Volkswagen Bank, parce que le véhicule appartient à Volkswagen Bank. Il n'appartient pas à Volkswagen. Volkswagen produit le véhicule et le revend à une banque qui, elle, derrière. Qui achète de manière illicite ou licite. Est-ce que ça, justement, ça. En fait, vous n'êtes pas responsable des. En fait, le fait que la banque, est-ce que la banque achète comptant à l'usine ou bien la banque achète à crédit à l'usine, ça c'est une affaire entre la banque et l'usine. Vous, ce que vous avez fait, vous venez, vous êtes locataire d'une voiture. Vous êtes locataire d'une voiture ou je ne sais pas n'importe quelle autre. Donc voilà, n'importe. Mais c'est que, comment dirais-je, le contrat des.
de location avec option d'achat. Donc, il y a du contrat de location avec option d'achat. Donc, si dans le contrat, c'est-à-dire au moment où vous signez le contrat, ce n'est pas un contrat location et achat en même temps, c'est permis. Mais si c'est location et achat, c'est-à-dire si l'achat est définitif, au moment où vous faites location, ça c'est interdit. Puis en islam, c'est interdit d'avoir deux contrats en un. Deux contrats en un, c'est interdit. Mais par contre, si au moment où vous signez le contrat, vous avez signé le contrat, après, à la fin du contrat de location, vous avez le choix d'acheter ou ne pas acheter, dans ces cas, c'est licite, c'est permis. Cher, moi j'ai une question sur la fameuse fatwa du Conseil européen de la fatwa qui justement autorise pour les gens vivant en Europe à recourir à des crédits classiques pour acquérir un bien. Est-ce que vous pouvez nous rappeler justement, parce que cette fatwa elle est souvent utilisée justement pour se donner le droit d'acheter, parce que, sauf qu'elle a un cadre précis. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est pas justement une première attaque qu'on commence à un peu contourner les règles établies? En fait, ce que moi j'aimerais dire concernant ces fatwas, deux fois, j'entends des polémiques, j'entends des critiques de la part de gens qui n'ont aucune connaissance, aucune science, qui dénigrent les savants qui ont fait ces fatwas. C'est réellement cette attitude, c'est stupide. Cette attitude des gens, des jeunes gens qui n'ont aucune connaissance, qui se permettent de critiquer, de dénigrer les savants qui ont fait ces fatwas, réellement, c'est des gens qui ne sont pas intelligents. C'est des gens vraiment qui se causent de tort à eux-mêmes. Donc, certes, cette fatwa qui a été faite par le Conseil européen des fatwas, ce n'est pas une fatwa ouverte comme souvent beaucoup de gens qui laissent entendre. C'est comme toute personne qui a envie d'acquérir une maison, il a droit. Non, ce n'est pas ça. Donc, la fatwa, il met des conditions. Il dit d'abord, il faut que ça soit pour une maison. Ses enfants, ou bien être dans un environnement meilleur pour lui. Et troisième condition, il dit qu'il faut que la personne épuise toutes les moindres possibilités possibles pour pouvoir acquérir sans faire recours à des prêts avec des intérêts. C'est la personne qu'elle épuise toutes les possibilités, tous les moyens possibles. Donc, si la personne a essayé par tous les moyens, comment dire, n'a pas, et ses conditions sont remplies, il l'autorise de faire recours à un prêt à la banque pour acquérir une maison principale. Donc moi personnellement, par rapport à cette fatwa, moi je les lis, je les relis. Je trouve que la démarche qu'ils ont faite, c'est une démarche scientifique. Réellement, c'est les règles scientifiques, ils l'ont respectée. C'est une démarche scientifique, puisque cette fatwa, il se base sur une règle qui est très très connue en islam, qui dit ad-daroura tubih al-mahdoura, qui veut dire la nécessité rend licite ce qui est illicite. La nécessité rend licite ce qui est illicite. Mais c'est quoi la nécessité? La nécessité, c'est ce qui est indispensable pour pouvoir vivre. Par exemple, une personne ne peut pas vivre sans avoir un toit, ne peut pas vivre sans avoir des vêtements pour s'habiller, ne peut pas vivre sans pouvoir se soigner en cas où la personne tombe malade, ne peut pas vivre sans se nourrir. Donc, avoir un toit, se nourrir, se soigner, ça rentre dans les nécessités. Donc, mais, c'est vrai, on peut dire, la personne qui est en mesure de trouver un logement par location, il n'est pas dans la nécessité. Il n'est pas dans la nécessité. Donc, il y a une sous-règle, la règle qui dit la nécessité rend licite ce qui est illicite. Il y a une sous-règle qui dit le besoin peut être considéré comme une nécessité. Le besoin peut être considéré comme une nécessité. Le besoin, c'est quoi?
Le besoin, c'est que sans le, si quelque chose sans qu'on en a besoin, sans laquelle on va être dans la gêne, on sera gêné, mais on peut vivre sans. On peut vivre sans, mais si on ne l'a pas, on sera gêné. Par exemple, une personne qui vit, par exemple, à l'étroit, une personne qui vit avec un appartement, qui vit à l'étroit, ben, cette personne, elle peut vivre. Elle peut vivre, mais elle est dans la gêne. Elle est dans la gêne. Donc, il dit, donc pour telle personne, si, comment on peut, le besoin peut être considéré comme une nécessité. Donc, en fait, ce que j'avais dit, la démarche qu'ils ont faite scientifiquement, c'est fondé. Mais il y a une chose, moi personnellement, c'est vrai, comme j'ai dit, cette fatwa, ça ne m'a jamais apaisé le cœur. Ça ne m'a jamais apaisé. J'ai dit, certes, quand j'ai lu la démarche qu'ils ont fait, l'argument qu'ils avancent, c'est fort, mais je ne suis pas apaisé. Donc la fatwa, pour n'importe quelle personne, tu ne dis pas, puisqu'il y a un fatwa, je le fais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit au sujet, il dit, quelqu'un qui est venu interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce qui est bien, ce qui est mal. Le prophète dit, istafti qalbak, interroge ton cœur. Si ton cœur est apaisé, tu juges que tu remplis les conditions qu'ils ont émises, et que ton cœur est apaisé, que tu peux le faire, tu peux le faire. Mais si dans ton cœur tu es troublé, tu n'es pas apaisé, tu ne peux pas dire quand même, ils m'ont fait le fatwa, je vais suivre le fatwa. Non. Non. Il faut que soit, tu sois convaincu et que ton cœur soit apaisé pour que tu puisses le suivre. Wallah a'lam. Non, moi, j'ai une question. Vous avez dit que les banques islamiques qui s'illicitent, ils sont limités. Parce que si, admettons, quelqu'un souhaiterait construire sa propre maison, ouais, il a besoin de 70 000 euros, ouais, il n'a pas besoin d'acheter... d'aller dans une agence. Comment il pourrait faire, par exemple? Il y a, dans le banque islamique, il y a ce qu'on appelle Al-Qard Al-Hassan, un prêt sans intérêt. Les banques, ils font des prêts sans intérêt, mais ce n'est pas toutes les banques. D'accord. Bon, puisqu'il y a certaines banques qui ont le moyen, donc avec certaines, bien sûr, garanties, ils peuvent faire des prêts sans intérêt. Ouais, voilà. Donc, il y a des... Voilà. Donc, vous avez dit les garanties. Donc, Non, parce que quand j'ai dit garantie, c'est-à-dire qu'il faut que la personne, le profil de la personne, c'est pas le premier qui va venir, tu dis prêtez-moi l'argent et qu'ils vont lui prêter. Voilà. La même question, c'est on confond souvent banque islamique et charité, en fait. Donc, c'est deux choses quand même différentes. Ce prêt-là dont vous parlez, c'est autre chose que le prêt immobilier. C'est un prêt tout simple. Oui, c'est un prêt tout simple. Ça peut être bon. C'est-à-dire une personne qui a besoin d'une certaine somme d'argent. La banque islamique peut lui prêter la somme, que ce soit pour l'achat d'un bien immobilier, l'achat d'une voiture, ou bien pour se soigner, pour se nourrir, ou pour n'importe quelle autre raison. Ouais. Oui, donc on va laisser les serveurs. Non, bon, en général, la banque islamique, si c'est une banque islamique, il ne va pas, il ne va pas mélanger, il va faire veiller en sorte que ses fonds soient contrôlés, qu'ils soient licites. Si c'est une banque islamique. Mais par contre, c'est que le problème aujourd'hui, il y a des banques classiques qui ouvrent ce qu'on appelle des guichets islamiques. Voilà. Donc, ça. La Mouabaha, en fait, voulait savoir quand elle s'établit dans un contexte où il n'y a pas vraiment de concurrence par rapport à ce genre de principe, donc pas beaucoup de banques islamiques, et qu'elle s'installe dans un terrain où il y a une grande difficulté par rapport aux musulmans à avoir d'autres alternatives, et donc le bénéfice va être important par rapport au fait qu'il y a un besoin. Donc, admettons par exemple, s'il y a quelqu'un qui ouvre un commerce dans un état où il y a la famine, quelque chose ou quoi, et qu'il, comme il n'y a pas vraiment de concurrence,
vase du gars. Quand il y a un commerce, et on ne sait pas à combien il l'a acheté lui. Si on le savait, je crois que ça nous refroidirait. Si on sait qu'il a acheté le vêtement à 2 euros, il nous le revend à 15 euros. Bon, c'est le principe du commerce. Il va faire des distances, il va je ne sais où, il va avoir tout un truc qui fait qu'il y a aussi la concurrence, il y a tout un qui fait qu'on va acheter le bien. Mais là, c'est l'acheteur qui identifie le bien. Il sait que la maison, elle est à 200 000 euros et elle se retrouve à 250 000 euros. Donc, parce qu'il n'y a pas de concurrence aussi, parce qu'il n'y a pas 50 000 de... Non, je ne pense pas. C'est une raison parce qu'il n'y a pas de concurrence. C'est-à-dire la banque, il va, comment dire, plus, premièrement, il y a un échelonnement pour, le pay, pour payer. La personne ne va pas payer d'un coup, mais ça va être échelonné sur plusieurs années. Deuxièmement, aussi, la banque veut comment dire, se faire une marge de bénéfice pour pouvoir continuer à travailler. Parce que si la marge est très faible, la banque ne pourra pas fonctionner, ne pourra pas continuer. Et juste pour finir par rapport à ça, l'échelonnement, en fait, quand on achète quelque chose, donc par rapport à ce principe-là de Mourabaha, pourquoi est-ce que le prix augmente quand l'échéance aussi est plus loin alors que l'achat, c'est la fin? Est-ce que c'est dû au fait qu'il y a un dédommagement du fait que l'emprunt est plus grand, l'intérêt est plus important? Oui, c'est par rapport au délai. Par exemple, même, mettons à côté l'achat, c'est-à-dire, imaginons, vous allez dans un magasin. Islamiquement, vous allez dans un magasin, par exemple, vous allez acheter ces portables. Il peut vous dire, si vous l'achetez comptant, je vous la vends à 150 euros, si vous payez comptant. Mais par contre, si vous voulez que échelonné sur 10 fois ou je ne sais pas 15 fois, je vous la vends à 170 à 180. C'est tout à fait licite. Un crédit vendeur, voilà. C'est tout à fait licite. Après, sur le principe de la Moulabaha aussi, il faut tenir compte que les banques, elles calculent le prix de revente en fonction de la valeur que va prendre le bien aussi. Parce que l'immobilier, généralement, ça prend de la valeur, ça n'en perd pas. Donc aussi, dans le prix de revente, la banque, elle estime aussi combien va prendre votre bien en valeur. Mais si on veut sortir de la Moulabaha parce qu'on se dit, ouais, bah, en fait, ils sont dans une position de monopole, il y a d'autres moyens. En fait, on ne peut pas passer par les banques. Vous pouvez vous trouver un bien, rien ne vous empêche d'aller voir le propriétaire et lui dire, bah, écoutez, je vais faire un crédit bail. Donc moi, j'ai un bouquet à vous verser tout de suite. On se met d'accord sur un prix, je vous verse une rente pendant X années, avec donc, toutes les garanties. On va devant un notaire, on fait un contrat officiel. Et là, vous ne passez même pas par une banque islamique. Vous êtes dans une transaction commerciale qui est tout à fait légale. Et qui est, vous passez devant un notaire, vous prenez possession du bien et vous vous mettez d'accord avec lui, vous lui versez, vous, un bouquet et puis derrière, une rente. Ça marche que pour les associations, je crois. Non, ça marche pour les particuliers. Ça s'appelle la vente à terme. Vous regardez, en fait. Oui, mais on a utilisé l'application Crédit Bail, mais c'est le même principe. Quand vous regardez tout à l'heure, on a évoqué le viager. En fait, le viager, on a une incertitude qui est à la mort. En fait, le pendant du viager, où là, il n'y a pas du tout d'incertitude, ça s'appelle la vente à terme. Et il y a des avis. C'est des agences viagées. Qui font ça, en fait. C'est des agences qui sont spécialisées dans le viager qui proposent aussi ce type de vente-là. Vous avez je vais poser une question. Je vais peut-être rejoindre la sœur. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quand même un abus dans la démarche de la Moulabaha, à savoir que, comme a dit la sœur, c'est le client qui ramène le bien, donc c'est lui qui va faire sa recherche, et que le bien, le prix est bien défini, très souvent entre le futur acheteur et puis le vendeur, le propriétaire du bien. Est-ce qu'il n'y a pas comme vous avez dit, est-ce qu'il n'y a pas un abus? Est-ce que parce que le client, lui, il n'a pas les fonds pour acheter ce bien-là, il est à la banque, il va proposer ce bien-là, cette banque-là, qui, elle, va abuser de son pouvoir, de cette capacité financière qu'elle a pour pouvoir l'acheter et lui revendre tout de suite, moyennant une marge? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est peut-être une remarque. Quand on lit l'instruction fiscale de la Moulabaha, qui est paru au bulletin officiel, je crois en 2008 ou en 2009, dans le code des finances publiques, on lit que la Moulabaha, donc c'est une instruction fiscale qui parle précisément de la Moulabaha, qui a rendu licite, sur le plan de la législation française, l'application de ce type de transactions financières. On lit que la marge de cette banque-là est équivalente à de l'intérêt.
C'est-à-dire qu'aux yeux de l'État français, mm-hmm. ou du fisc, ou du trésor public, c'est quand même de l'intérêt. Mm-hmm. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans cette démarche-là? Non, bon, en fait, ce qu'il faut tenir compte, est-ce que c'est de l'intérêt réellement ou pas? En réalité, ce n'est pas de l'intérêt. Mais c'est, comme je dis, même beaucoup de gens qui confondent quand il y a une transaction avec le Murabaha, c'est-à-dire la marge de bénéfice que la banque islamique va se faire avec les intérêts qu'on paye à une banque traditionnelle. Non, ce n'est pas de l'intérêt, c'est différent. Parce que comme je vous disais, Murabaha, c'est un contrat d'échange, d'achat et de vente. Donc d'achat et vente, tandis que l'intérêt bancaire, c'est un intérêt sur un prêt. Sur un prêt, donc c'est différent. Mais par contre, est-ce que les banques islamiques abusent le fait que des besoins des gens ou ça, moi je ne sais pas, Allah, puisque moi je n'ai jamais fait, je ne sais pas comment réellement ça se présente. Donc, il y a une situation de monopole. Oui, il y a une situation de monopole. Parce qu'ici, il n'y a qu'une seule banque qui fait ce type de financement pour le moment. Bon, c'est nouveau, il y a quelques années. Peut-être que ça va changer d'ici les années qui vont venir. Mais actuellement, il y a ce monopole-là. Oui, le fait qu'il y a un monopole, moi je ne pense pas que le fait qu'il y a un monopole, que ça serait une raison suffisante pour pouvoir abuser, comment dirais-je, je crois, par rapport aux marges de bénéfices. Donc, si je peux peut-être me permettre, parce que je connais un petit peu le sujet. Aujourd'hui, il n'y a pas réellement un abus. Le contrat Murabaha qui est proposé aujourd'hui est quasiment calqué, alors à un tout petit peu plus cher qu'un prêt classique ou qu'un crédit conventionnel, on va appeler ça comme ça, un crédit conventionnel, il y a peut-être 3 ou 4% de plus. Effectivement, aujourd'hui, il n'y a qu'une seule société qui propose ça, une ou deux sociétés qui proposent ça réellement. Il y a Shaabi Bank et il y a 570 Easy. Clairement, il y a ces deux sociétés. Oui, mais 570 travaille avec. N'est pas une banque, c'est une société de financement. Je suis d'accord avec vous. Donc, après, aujourd'hui, les marges qui se font, ce n'est pas des marges excessives. Et puis, comme disait le frère tout à l'heure, la valeur du bien, un appartement qui vaut aujourd'hui 150 000 euros, il y a 15 ans en arrière, valait peut-être 80 000 euros, 60 000. Moi, je sais que là où j'habite, des appartements, il y a 15 ans en arrière, qui valaient 15 000 euros, et je vous dis 15 000, aujourd'hui, valent 140 000. Je connais un monsieur, il a acheté un appartement, 14 000 euros, il l'a revendu 120 000. Donc, il a fait sa marge. Alors, effectivement, après le... Après, on peut aussi partir il y a 3 ans ou 4 ans en arrière, ça valait 250 000 et aujourd'hui ça ne vaut même pas 200 à cause de la crise. La crise immobilière, le subprime, les trucs comme ça. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, il faut concevoir que la banque, que ce soit la banque islamique, quand il fait une transaction de Murabaha, et l'intérêt de faire ce Murabaha, certes, c'est ça rend des services à des acquéreurs, mais en même temps aussi, et ils ont l'intérêt de faire un bénéfice. Donc ce bénéfice, bien sûr, il faut que ça soit raisonnable. Bon, moi, concrètement, je n'ai pas eu un cas de dire, est-ce que, par exemple, imaginons concrètement, par exemple, si une personne qui va faire un prêt à la banque traditionnelle et pour acheter une maison qui vaut 200 000 euros, peut-être avec l'intérêt, il va payer 250 000. Il va payer 250 000. Est-ce qu'avec le système de Murabaha, ça va faire combien? Ça va aller à 300 000? Si ça va à 300 000, j'ai dit, il y a un abus. Mais si ça va à 260 ou bien 270, tu ne trouveras pas qu'il y a un abus, non. Mais voilà. Cher, même si les vendeurs à 300 000, religieusement, ça serait autorisé. Oui, religieusement, c'est une transaction. La Murabaha, personne ne vous oblige à signer. Après, il y a une position dominante, mais c'est comme toute transaction commerciale. Personne ne vous oblige, c'est à partir du moment où il y a accord entre l'acheteur et le vendeur que la transaction se fait. Après qu'il y ait une position dominante, on dit c'est exagéré, mais c'est comme le Jetshir. C'est quoi vos référentiels? Quand vous regardez un crédit à 20 ans ou à 25 ans, finalement, les gens qu'on met ils remboursent pour 100 000 euros empruntés, remboursant 110 000 ou 180 000. L'abus, il existe aussi dans le système conventionnel, donc il existe. Ouais, faut regarder sur 20 ans avec les assurances, parce que les taux...
faut regarder, il faut vraiment comparer ce qui est comparable. Est-ce qu'il faut qu'on attende, enfin il y a un taux pour la marge à ne pas dépasser? C'est ce que toi tu es capable d'accepter. Moi je dirais c'est une transaction. C'est comme la Charles a dit tout à l'heure, pourquoi tu peux acheter un iPhone à 800 euros alors qu'il y en a peut-être qui l'achèteront qu'à 400 euros. Il y a des gens, c'est la transaction que tu es capable, c'est du commerce. Il y a des gens qui sont capables d'accepter une transaction à 300 000, il y en a ils vont monter à 400 000, il y en a ils vont dire je suis capable d'accepter la transaction à 200 000. C'est où ton cœur il est apaisé au moment où tu signes le papier, c'est ça aussi. C'est que tu sais que tu es dans un cadre islamique et la transaction finalement... La banque n'est qu'un intermédiaire et je pense qu'il y a des leviers de négociation avec ces établissements-là. Et tu signes à partir du moment où ton cœur est apaisé et que tu dis bah tiens, c'est bon, c'est le prix que j'étais prêt à mettre dans ce bien-là. Tout à l'heure, Cheikh Meta disait, il y a justement avec la sœur, disait qu'il ne faut pas qu'il y ait d'abus. À partir de quel moment on définit l'abus, finalement? À partir du moment, par exemple, quand on est en islam, il y a quelque chose, même, je crois même dans le droit positif, c'est ce qu'on appelle par exemple, imaginons qu'il y a une marchandise qui est en rupture. Une marchandise qui est en rupture, qu'il y a une forte demande sur cette marchandise. Donc, il y a une forte demande sur cette marchandise. Islamiquement, on n'a pas droit, par exemple, de s'accaparer. De faire des stocks pour faire monter. Voilà, de faire des stocks pour faire monter les prix. La spéculation pour faire augmenter les prix. C'est haram, islamiquement. D'accord. Donc, par exemple, je ne sais pas, imaginons que quelque chose qui vaut, je ne sais pas, 5 euros. Et qu'il y a une forte demande pour telle chose, qui vaut 5 euros, ça se vend habituellement 5 euros. Que je le vends à 7 euros, à 8 euros, voire même à 10 euros, on peut dire que c'est règle de commerce à partir du moment où les personnes qui achètent, qu'ils acceptent. Mais par contre, si c'est la même chose, je le vends à 15 euros, je dirais qu'il y a un abus. On abuse. Voilà. Bon, en fait, quand je dis qu'il y a un abus, tant que ce n'est pas dans ce cadre, puisque la personne qui fait spéculation, on ne peut pas dire que c'est haram. Bon, on peut dire quand même, comme je disais au début de mon intervention, l'islam, la relation des transactions, c'est basé sur l'entraide, sur la solidarité. Donc, en réalité, la personne, comment dirais-je, qui va augmenter les prix d'une manière abusive, il sort du cadre de solidarité, de l'entraide. Il rentre dans le cadre de la cupidité et comment dirais-je, d'équipidité, comment dire, le fait d'avoir avidité du bien. Ouais. D'accord. Peut-être, juste pour peut-être vous reprendre sur le prêt, est-ce qu'il y a un taux de marge, un taux de bénéfice précis à avoir? Est-ce que ce qu'on entend souvent des gens dire, mais j'ai pas le droit de vendre trois fois plus que ce que j'ai acheté. Est-ce que c'est réel? Est-ce que cette règle existe réellement? Non, ça n'existe pas islamiquement. De dire on n'a pas le droit de dépasser, tel nombre de fois. D'ailleurs, si vous regardez dans les ouvrages des fiqhs, est-ce que les autorités dans un État islamique ont le droit de fixer des prix ou pas? C'est un débat, comment dirais-je, quoi, dans les ouvrages des fiqhs, il y a des gens qui disent, oui, les autorités, ils ont le droit de fixer des prix que les commerçants ne peuvent pas dépasser. Il y en a d'autres qui disent, non, le commerce, c'est ouvert, les autorités n'ont pas le droit. Mais Wallah Alam, en fait, pour ces genres de questions, c'est vrai, il n'y a pas de texte qui tranche. Mais ça rentre dans ce qu'on appelle al-masalih al-masalih, l'intérêt général. Moi, Wallah Alam, par rapport à cet avis-là, cette question, ce débat, moi j'ai dit oui, à un moment donné, les autorités, ils ont le droit de fixer les prix quand ils voient qu'il y a des abus. Oui. Moi, c'est pour en revenir à la fatwa de tout à l'heure sur le crédit bancaire. Vous dites si quelqu'un peut payer une location. Par exemple, s'il y a une famille qui peut payer sa location, un père il a 5 enfants, il a des APL, des allocations familiales. Et après, il vous dit, mais moi j'ai peur de, après en fait, quand mes enfants seront partis, j'aurai une petite retraite, comment je vais payer mon loyer de 800 euros? Eh bien, il change, quand les enfants ils seront partis, ils changent d'appartement. C'est mais surtout pour ceux qui sont sur Paris, en fait...
qu'il soit n'importe où, comment dire, la personne, si à un moment donné, et il avait des enfants, donc il avait besoin d'une grande d'un grand appartement, à partir du moment où il se trouve qu'il n'a pas besoin de ces grands appartements, pourquoi le garder? Mais même un T2, c'est cher maintenant. Voilà, est-ce qu'il a droit d'anticiper ou pas en fait la nécessité? Oui. Parce qu'un T2 c'est 500 en fait, euros, par en réalité de dire anticiper la nécessité, en réalité, c'est une... on s'aventure. On ne sait pas la personne. Moi, je suis là aujourd'hui, je n'ai aucune garantie que je serai là demain. Pourquoi je vais m'aventurer à transgresser les limites d'Allah pour un éventuel quelque chose qui n'est pas sûr? Ils te répondent par le hadith, je dois vivre comme si j'allais mourir demain. Non, ce n'est pas un hadith. C'est ça, ce n'est pas un hadith. Qui disait, comment dirais-je, sois dans ce monde comme si tu vas vivre éternellement, et œuvre pour l'au-delà comme si tu vas mourir demain. C'est pas un hadith, c'est un faux hadith. Voilà. Oui. Moi je voulais juste revenir sur la notion de riba et de zakat. Oui. Voilà. Le fait de, le fait de pas faire riba et de faire un prêt classique, est-ce que c'est une forme, c'est-à-dire un prêt, voilà, je vous prête 100 euros, vous me rendez 100 euros, est-ce que c'est une forme de zakat? Oui, en fait, il pose la question, est-ce que le fait de prêter, c'est comme zakat? Oui, il y a un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le prêt, quelqu'un qui va prêter sans intérêt, il dit, c'est comme une aumône, tu es récompensé comme si tu as fait une aumône. C'est-à-dire, si une personne... Quelqu'un qui a besoin, qui dit, prête-moi 100 euros. Je lui prête 100 euros. Après, au bout d'un certain temps, il me rend le 100 euros. Je serai récompensé comme si j'avais fait 100 euros d'aumône. Malgré que j'ai récupéré, ouais. Je vais faire attendre juste dans l'ordre. Le frère là, puis après, Inch'Allah, sera Youssef. Et si on trouve un constructeur, aujourd'hui, il n'y en a pas encore, mais un constructeur qui ont une filiale d'une banque. C'est quoi? Un constructeur de maison immobilier qui est en même temps une filiale d'une banque. Il appartient à une banque. Est-ce que la transaction avec cette construction-là, c'est du riba ou c'est pas du riba? Ça dépend de la forme. De la filiale? Ouais, non, la forme des transactions. Dans tous les cas, c'est la banque qui est maître de cette filiale. Oui, c'est la banque qui est maître, mais ça dépend du contrat que vous allez signer avec le constructeur. C'est quelle forme de contrat? C'est l'histoire de la location, tu n'es pas responsable de la relation entre le constructeur et la banque, en fait. Youssef. Les personnes s'engagent avec des crédits et son point, c'est une forme d'aliénation aussi. Et c'est quelque chose sur lequel on veut mettre l'accent. Il faut savoir qu'il y a une banque suédoise, elle a pris conscience que Riba est un problème pour le peuple. Parce que qu'est-ce que c'est Riba? C'est les riches qui s'enrichissent sur les pauvres. Il faut savoir qu'il y a une enquête, il me semble qu'il a été fait un sondage, dans 6 mois à peu près, 1% des gens de la planète possédera la moitié des richesses de la planète. Ces personnes-là sont en train de diriger le monde. Le système, le FMI, ce qui est mis en place, on ne sait pas à quel pays récemment, qui a été expliqué, où on vend des prêts à des États, et derrière, ils sont complètement dépendants du FMI. C'est-à-dire qu'ils sont obligés d'appliquer des politiques économiques. On fait venir des grandes compagnies internationales, on libère des marchés, et c'est l'asservissement le plus total. Et aujourd'hui, cette forme d'asservissement, il faut en parler, il faut en prendre conscience. On comprend que chacun d'entre nous, on veut avoir une maison, on veut trouver des solutions, c'est pas évident. Et
Et c'est normal. C'est, on pense à notre monde. Aujourd'hui, on vit dans un monde complètement aliénant. On voit même que aujourd'hui même, à la France, hein, la dette, elle augmente chaque année. Pourquoi? Parce qu'on paye des intérêts qui augmentent à cause du marché international, financier. Et plus on a du mal à moins bien on est noté, et plus on... Donc en fait, c'est un cycle infernal. Et les spécialistes du système économique, ils sont en train de dire, on est au bord de la crise. C'est-à-dire que le capitalisme est à l'agonie. Et ce qui se passe en Grèce, on n'en parle pas, finalement. On préfère parler de beaucoup de choses. Et ceux qui nous montrent les médias sont ceux qui sont ceux les plus riches aussi. Il faut le savoir. Donc il y a une analyse à effectuer, une remise en question aussi de notre vision, de notre compréhension des choses en tant qu'association islamique et en tant que musulman, je pense. Parce qu'on verrait peut-être les choses autrement et on s'orienterait dans nos actions aussi d'une autre manière. Alors là, c'est quelque chose que je voulais partager avec vous et sur aussi le sens de la conférence qui a été organisée ce soir. Barakallahu fik. Je voulais savoir si notre argent il vient pas d'une source halal. Est-ce que c'est considéré comme un riba? Par exemple, l'argent de la CAF, ça vient de la FDJ. Comment? L'argent de la CAF, ça vient de la FDJ. C'est quoi la FDJ? C'est la Française des Jeux, le loto, tout ça. L'essentiel, toi, t'as pas joué pour gagner. Ouais, mais c'est quand même c'est de l'argent qui vient quand même du loto. C'est pas... Ça vient pas de la ZEC. C'est de la sécurité sociale, comme... Ça vient d'une source qui est clairement rare. Je pensais que la sécurité sociale, ça venait des cotisations qu'on prenait, qui prenait tout sur les fiches de paie. Mais après, si aujourd'hui, connaître les sources de financement, hormis passer des nuits à éplucher tous les comptes. Voilà. Vous savez, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel le prophète il dit, il viendra un temps où les gens consommeront riba. Il viendra un temps où les gens consommeront riba. En fait, il dit les gens, c'est-à-dire, c'est comme dit tous les gens. Les prophètes, les compagnies, ils ont dit, les gens, ça dit tous les gens, les prophètes, ils disent, même celui qui ne le consommera pas, les poussières et les fumées de riba vont lui parvenir. Eh bien, nous vivons dans cette époque. Même celui qui ne pratique pas riba directement, en tout cas, ça, il est touché indirectement. Ouais. C'est vrai qu'on voit aujourd'hui, alors pas dans la communauté civile, mais il y a des mouvements alternatifs qui préconisent un monde sans argent. Et en fait, après, on voit, il y a ce qui commence à émerger, c'est l'économie du don. Où les gens bannissent l'argent de leur vie, en fait. C'est vraiment, ils disent, aujourd'hui, nous, on essaye de construire un monde sans argent. Donc après, ça pose des problématiques. Déjà, se loger. Donc se loger, bah, ils trouvent une caravane et s'installent dans un champ d'un paysan qui veut bien l'accueillir sur son champ. La question de se nourrir. Donc il dit, bah, pour me nourrir, bah, je vais travailler au champ. Et finalement, c'est ce que je vais cultiver dans le champ. Et on va bien vouloir m'en offrir un bout pour que je me nourrisse. Et en fait, il y a des gens aujourd'hui qui disent, pour sortir de cette aliénation qu'évoque Youssef tout à l'heure, il faut détruire et bannir l'argent de nos vies. Et dit, voilà, la chose la plus simple, surtout que aujourd'hui la valeur de l'argent, intrinsèquement, ça repose plus sur rien, hein, parce qu'à la base, c'était basé sur l'or et l'argent, et depuis 73, c'est plus basé sur l'or et l'argent. Donc ils disent, il faut bannir l'argent, il faut finalement que les gens contribuent dans la société et apportent dans la société leur savoir-faire via des échanges mutuels, via des échanges de savoir-faire. Après, c'est un autre modèle de société qui pose plein de questions, parce que vous l'avez dit, bah, oui, pas de l'argent, mais par contre, j'aimerais bien avoir Internet. Donc, avoir Internet sans argent, ça commence à être problématique. Mais sur l'abonnement, donc là, il dit, c'est ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut m'offrir Internet. Oui, mais ok, mais si quelqu'un lui offre Internet, c'est bien qu'il le paye, lui. Donc, ça pose des questions comme ça, enchaîne. Mais effectivement, il y a vraiment des questions qui se posent aujourd'hui sur est-ce qu'on serait capable de vivre dans un monde sans argent, ou la question de d'où vient l'origine des fonds. Moi, j'avais assisté à une conférence sur la finance islamique, et je lui ai dit, mais sur les fonds soukoupes, d'accord. Les fonds soukoupes, donc c'est des fonds souverains qui sont émis par des États islamiques, normalement pour financer des projets, mais je lui ai dit, est-ce qu'on est certain que les fonds sont vraiment utilisés pour les projets qui nous sont indiqués? Donc si on vous dit, ben, c'est impossible à tracer, hormis le fait qu'on nous dise, ça va servir à construire des autoroutes, des ponts, des barrages, etc. Mais c'est impossible à tracer. Donc aujourd'hui, la vraie question, c'est dans un monde aliénant où la valeur argent domine tout, on ne peut pas tout contrôler. Par contre, à un autre niveau, chacun et individuellement, on peut se poser des questions. Quand les gens veulent acheter un reste et une maison, c'est honorable. Mais parce qu'on, est-ce qu'on est obligé, quand on veut acheter, de vouloir tout de suite la maison qui fait 200 mètres carrés avec 6 chambres, la piscine, sur laquelle on est prêt à s'endetter, même auprès d'une banque classique, pendant 40 années? Ou est-ce qu'on ne peut pas dire, bah justement, plutôt je vais faire avec mes moyens et je commence petit, modestement, par un petit...
une pièce ou un petit deux pièces, et parce que c'est ce que je peux me payer aujourd'hui foncièrement en ayant recours à de la solidarité de frères, de gens qui vont faire une zakat, qui vont prêter, plutôt que tout de suite se parler et de se lancer dans des projets qui sont faramineux. Juste, je vais redonner la parole. Shabbat, il y avait le frère, là, et toi après Shabbat, et après Kalim. Salam alaikum. Je voulais revenir sur la fatwa. Donc, il y a un aspect dont on parle de cette fatwa, c'est concernant l'indépendance financière de la communauté musulmane. Et voilà, l'une des raisons qui est énoncée, c'est voilà, de permettre à la communauté musulmane de se solidifier, de monter en puissance de par voilà, cette indépendance financière. Et voilà, en prolongation, on parle du fait que bah, finalement, le fait de payer un loyer tous les mois, bah, finalement, c'est de l'argent qui n'est investi nulle part et qui part en fumée à la fin du mois. Alors que investir voilà, dans un prêt, ce serait quelque chose d'un peu plus solide. Quel est votre avis, votre positionnement par rapport à ça? C'est sûr de le payer son prêt. Non, bon, en fait, quand on dit l'indépendance, moi je ne pense pas quand même que c'est réellement l'indépendance. Au contraire, moi je vois que c'est une dépendance. C'est quand on va s'endetter et que sur 20 ans, sur 30 ans, qu'on doit payer ses dettes, et puis si jamais on n'est pas en mesure de payer, cette maison va lui être enlevée et vendue, comment dirais-je, aux enchères, je crois qu'on n'est pas dans la indépendance, on est dans la dépendance. En fait, ils disent que c'est une dépendance à court terme parce qu'on sera endetté, ouais. Mais du coup, les générations futures seront propriétaires d'un bien tangible. Ah bon, moi je crois, Allah Alam, réellement, ce système de riba, nous devrons faire en sorte une forme de résistance. Une forme de résistance, chacun à son niveau, de dire je vais minimiser mon implication dans ce système au minimum nécessaire. Mais par contre, quand on ouvre cette porte, au contraire, comment dire, moi je trouve qu'on encourage les systèmes. Juste, ouais, je vais faire part d'une anecdote personnelle. Mon premier job, en fait, je l'ai fait dans une boîte où j'avais un mec qui m'a tout appris. Il m'a appris mon job, mon travail. Et le mec était très mal considéré. Mais vraiment très mal considéré par le patron. J'étais jeune embauché, j'étais payé plus que lui. Il avait aucune considération. Et un jour, je parle avec lui, j'ai dit, mais pourquoi tu te barres pas? Et en fait, sa réponse est, j'ai un crédit sur le dos, je peux pas partir. Donc le gars était malheureux comme pas possible, il subissait des brimades à longueur de journée, mais sa réponse était, j'ai un crédit sur le dos et je peux pas partir. Et dites-vous, voilà, les crédits, c'est ce qui sert aussi à entretenir cet asservissement, parce que des gens, vous dites, j'ai un crédit, j'ai un risque, si j'ai plus de travail, comment je vais payer mon crédit, comment je vais perdre mon bien, je vais tout perdre. Donc c'est ce à quoi contribue ce système. Juste attends, Youssef, dans l'ordre de parole, il y avait le frère là, d'abord. J'ai deux questions. La première, en fait, c'était par rapport aux biens qu'on peut vendre aux enchères, notamment les maisons. Cette fameuse maison qui n'a pas pu être payée, qui est revendue aux enchères. Est-ce qu'on a le droit, avec de l'argent réel, de racheter cette maison ou pas? Premièrement, c'est ma première question. Moi, réellement, les achats aux enchères, j'ai dit qu'il faut d'abord vérifier la source. De provenance du bien. Mais c'est vrai, et quand il s'agit de saisies, qu'on a saisi des biens des gens qu'on vend aux enchères, en quelque sorte, on participe à une forme d'injustice. C'est on va enlever ce bien, on va le vendre en moins de sa valeur, et la personne, alors que même s'il s'est endetté, il n'a pas pu payer, il sera lésé. Il sera lésé, nous, en l'achetant, on participe à une forme d'injustice. Mais par contre, quand il s'agit des biens, des sociétés qui ont fait des dépôts de blanc ou bien bilan, ou bien d'autres choses, oui. Mais quand il s'agit des saisies, je dirais qu'il vaut mieux de ne pas l'acheter. Ouais. D'accord. Et ma deuxième question, c'était si je souhaite acheter un bien et qu'en fait, j'ai un ami à moi qui n'est pas musulman. On va prendre un cas extrême qui gère un business illicite, mm-hmm. et qui souhaite me prêter de l'argent pour que je puisse acheter mon bien. Est-ce que cet argent-là, bien qu'il soit de source illicite, peut pour moi m'être licite et que je rendrai bien sûr à Paris-Gal? En fait, le fait qu'il y a
des transactions entre un musulman ou un non-musulman, par exemple, le fait qu'un non-musulman te prête de l'argent, on sait bien un non-musulman qui va prêter, notamment de nos jours, qui va prêter de l'argent, la source de son argent, bien sûr, même si ce n'est pas la totalité qui est illicite, il y a ces mélanges qui sont illicites. C'est permis, c'est-à-dire légalement, c'est permis que tu prêtes, que tu empruntes l'argent d'un non-musulman dont tu sais que à l'origine, comment dirais-je, quoi, la source de son argent est illicite, puisque la relation entre toi et lui, c'est une relation de prêt. Il te prête, donc tu vas rembourser. C'est, comment, légalement, c'est illicite. Mais moralement, il vaut mieux de ne pas le faire. Si tu sais que la source de son argent est illicite. Moralement, il vaut mieux de ne pas le faire. Mais légalement, je ne trouve rien qui l'interdirait. Question. Alors, juste, je vais essayer de respecter les tours de parole et on va clôturer, Inch'Allah, aussi, parce que, alors, il y avait Karim qui attendait depuis tout à l'heure. Karim, j'ai plusieurs choses à dire. Bon, courage. Comment ? Il faut faire rapide, alors. Quand on va dans le monde parler de bitcoins, des monnaies locales, du sel, tout ça, à quand le sel musulman ? À quand le bitcoin musulman, à quand la monnaie locale musulmane. Par exemple, on a plein de commerçants, il suffit de créer une monnaie et on paye, les Français ils payent une partie de l'achat avec la monnaie française, européenne, et une partie avec la monnaie musulmane. Quitte à complètement changer de monnaie. L'autre question, la question quand on demande acheter une maison, une entreprise, tout ça à crédit, la vraie question pour moi, c'est pas de s'installer en Europe. La vraie question, c'est déjà pouvoir en sortir de l'Europe au lieu de s'enraciner et ne pas faire comme la sœur avait posé une question. Prévoir une maison pour dans 10 ans pour son père. Le père, il veut prévoir une maison dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, quand les enfants partiront. C'est pas musulman de penser à 20 ans, à 30 ans, à 10 ans après. Il faut une autre conception de vie où on peut mourir demain. Voilà. Une dernière chose. Et c'est fini. Non, mais ouais, le bitcoin, la monnaie locale musulmane, pourquoi pas, mais après, c'est toujours... est-ce que c'est pour faire comme les autres ou est-ce qu'on y met un vrai sens ? La question, elle est vraiment là-dessus. Après, sur la conception de demain, ça... y avait Youssef, pardon, et après, on avait la sœur... je suis désolé, on va devoir clôturer. J'ai Youssef, la sœur, et après on clôturera. Inch'Allah, le cheikh nous fera doua. C'est juste une petite question. Du coup, Youssef, solutions en dehors de ce système-là. Et là, on est rentré dans une posture d'adaptation sur ce cas-là, mais elle pose des véritables questions de sens, surtout que cette fatwa-là, elle a été faite avant les crises qui sont arrivées en 2020, les crises des subprimes, etc. Je pense que peut-être les savants auraient peut-être eu un autre avis si ça aurait été ou les renforcer. Et justement, tu lances une invitation à tous les gens qui ont participé pour venir réfléchir à l'UFCM sur comment pour trouver d'autres alternatives voilà, pour justement financer et acquérir des biens. Là, je vais terminer avec la sœur, Inch'Allah, la dernière question. Juste, quand vous dites Allah subhanahu wa ta'ala, il enlève la baraka dans les biens de ceux qui font pour riba, c'est juste sur l'usure ou sur tout le salaire ? Surtout le bien tout haut. Ce qu'il a. C'est-à-dire la personne qui va pratiquer riba, quand riba est mélangé avec un bien, Allah il enlève la baraka. Et c'est bien. D'accord.
Et donc pour le crédit, donc comme vous dites, si on veut faire un achat 10 fois par exemple, hein, et qu'une nous dit voilà, chaque mois vous allez payer tant, 3 euros de plus, ça veut dire que c'est licite. Hein. Je vous dis, à partir du moment où vous mettez d'accord avec le vendeur, par exemple, comme je vous dis, quelque chose qui vaut 10 euros, dit, si vous me payez comptant, je vous vends 10 euros. Si vous voulez que je vous accorde un délai ou bien un échelonnement à payer plusieurs fois, ça va vous coûter 13 euros. Donc, okay, au départ, vous êtes mis d'accord que j'achète à 13 euros à crédit, entre guillemets, que vous allez... Oui, c'est licite. C'est parce qu'il nous rend service, en fait. Oui. Par contre, s'il fait mention d'un taux d'intérêt... Non, bon, s'il fait mention de taux d'intérêt, c'est quoi? Le taux d'intérêt, c'est quand... En quelque sorte, le taux d'intérêt, ça vient des prêts. Quand il y a des prêts, par exemple... Aujourd'hui, il y a, par exemple, dans certains magasins, on vous propose d'achat avec échelonnement ou bien de payer plusieurs fois, mais il y a un taux d'intérêt. C'est la société ou le magasin, il passe par une banque. Il se fait payer immédiatement et vous allez rembourser. Donc ça, c'est haram, puisque c'est des intérêts. Mais par contre, comme je vous dis, si le vendeur, direct avec le vendeur, dit, si tu me payes comptant, ça vaut 10 euros. Si tu veux que je t'accorde de faciliter les paiements, ça va te coûter 13 euros et que tu vas payer 13 euros. Là, il n'y a pas de problème. La banque Accor, ils font sans intérêt. Hein. Ah non, il faut regarder parce que généralement, vous allez voir les prêts à 0% ou sans intérêt. En fait, si vous regardez, c'est le magasin qui paye l'intérêt. Plusieurs fois, j'ai toujours payé. C'est le magasin qui paye l'intérêt à l'organisme financeur derrière. Demandez, posez bien la question quand vous faites du 0% sans frais. Demandez si c'est un vrai 0% sans intérêt. Oui, ou si, je vais laisser pour finir après, je te dis, ou s'il y a des intérêts mais qui sont payés par le magasin à l'organisme financeur. Parce qu'il y a bien les deux choses. Mais ça, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est pas notre. Moi, il faut lire dans le contrat, c'est peut-être. Non, mais lisez le contrat. Lisez le contrat quand vous signez le 0%. Ça n'existe pas le contrat où la banque n'intervient pas. C'est obligé. Ça n'existe pas. Celui qui travaille dans une banque, il travaille dans le haram. On va clôturer, Inch'Allah. Barakallahu fikoum, on va clôturer. Juste, je rappelle, le 4 décembre, Inch'Allah, il y a un café débat sur l'engagement et la cause palestinienne. Le 13 décembre, on organise une formation sur l'alimentation et la santé. Et les modules de formation, ceux qui sont intéressés, il y a des plaquettes, Inch'Allah, et il y a la sœur Manel qui assure une permanence tous les jours à partir de 17h dans ce local, donc vous pouvez passer pour vous inscrire, Inch'Allah. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أغننا بحلالك عن حرامك واكفينا بفضلك عما سواك اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر للمؤمنين وللمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين